je m'appelle Amélie Pierra, je suis en deuxième année de BTS support à l'action managériale et si vous vous demandez qu'est-ce que le RGPD, je vais vous répondre tout de suite. RGPD signifie Règlement Général sur la Protection des Données. Ce règlement, qui est entré en vigueur le 25 mai 2018, gère la protection du traitement des données personnelles. Elle concerne les organisations publiques ou privées qui traitent des données personnelles d'un citoyen européen ou des données établies sur le territoire de l'Union européenne. L'objectif principal du RGPD est de donner aux citoyens de l'Union européenne davantage de contrôle et de visibilité sur leur vie privée. Elle protège les libertés et les droits fondamentaux des personnes physiques, surtout en ce qui concerne leurs données personnelles, qu'elles soient privées ou professionnelles. Elle doit la transparence et la sécurisation aux utilisateurs, ce qui nous mène au principe de la transparence. Savoir nos données personnelles stockées n'est pas très rassurant. De ce fait, le RGPD met en place des obligations pour éviter le traitement de nos données qui peuvent être susceptibles d'être utilisées sans notre consentement. Les principales obligations du RGPD sont informer les clients sur leur droit d'accès, de suppression et de modification des données collectées, veiller à la sécurité du système d'information, assurer la confidentialité des données et indiquer une durée de conservation des données. Les sanctions applicables par le RGPD sont jusqu'à 20 millions d'euros ou, dans une entreprise, jusqu'à 4% du chiffre d'affaires annuel mondial. Voilà, vous savez à présent tout sur le RGPD. Merci d'avoir regardé ma vidéo.